Salut amis virtuels, bienvenue sur Premier Clap. Bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée au Festival de Berlin. Là, nous sommes un soir un peu particulier, puisque c'est la première de notre film. Donc, il y a un peu de tension, un peu de stress. On est à 2h de la première. Donc voilà, j'ai pas encore croisé Lisa et José pour savoir dans quel état ils étaient. Mais apparemment, c'est pas la fête. Autre personne pour qui c'est pas la fête, ma moitié. Salut. Évidemment, on partage tout et voilà. Donc, c'est à mon tour. Voilà, c'est à son tour. Qu'est-ce que t'as ? Bah, j'ai sa grippe. Enfin, elle dit sa grippe, mais en même temps, c'est la sienne maintenant. Je lui ai confié. Je l'ai confié à notre bébé. Donc voilà, donc. Sinon, il fait chaud comme vous pouvez le voir, on est vraiment bien. Et donc voilà, donc un programme ce soir plutôt sympa puisque dans une heure on aura rendez-vous pour un cocktail et une soirée d'avant-première. On aura une petite heure, ils appellent ça en plus warm-up party, donc c'est plutôt sympa. Et ça tombe bien. Mais ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin. Et puis après ce sera la première, donc voilà. Un petit programme intéressant qui t'attend pour cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Warm-up party. On a pris les photos de groupe, c'était cool. On est sur un autre niveau de dressage derrière. Ouais, on n'a pas le même niveau là. Donc là, on a un film turc en même temps qui prend les photos. Donc, The Tales of Three Brothers. Yes, that's right. Bon, en tout cas, voilà, on a quelques minutes de la première, donc forcément pas mal de tension, mais bon. Vivement que ça se finisse, qu'on puisse voir ce film, enfin. Bon, on est sur le chemin de la première, c'est parti. J'ai mon ticket. Et voilà, on marche tranquillement. Donc là, on quitte un hôtel où on a fait la soirée. Pour aller à pied au cinéma, il y en a pour 2 minutes. Donc voilà, ça va être cool. Oh, Momo, you want... Yeah, and let me introduce you, Momo. Oh, hi. In French, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu m'as dit qu'elle parlait français. C'est vrai. You speak a little bit of French? Oui, oui. Un peu. Voilà, on essaye de se détendre un peu, mais voilà. Donc là, on va marcher 2 petites minutes, le temps d'arriver au ciné. Et donc voilà, donc ça va être cool. José et Lisa ont préparé une petite surprise pour le public. Ils ont préparé en fait un truc un peu improvisé. Donc préparer improvisé, c'est pas mal. Mais bref, ils ont décidé d'engager 2 petits musiciens qu'ils ont trouvés dans la rue pour pouvoir jouer en fait la musique du film avant la première. Donc les voilà. Your precious 107 minutes with me, and I hope you will enjoy it, and thank you very much.
Without my team, without my actress, my producer, my husband, my cinematographer, my composer, and all my team sitting down there, I cannot make this film because most of them, all of them almost, charge very little for this film. And they are helping me for this because they agree with my idea. They love the script because they are working for the people with no voice as well. And it's I want to show my great thank you for them as well. Thank you. Bon, j'attendais d'avoir fait une deuxième projection pour me prononcer un peu sur le film. Alors déjà d'une, avant pour vous, quand il sortira en France, sachez que c'est pas un popcorn movie, c'est pas le genre de film que tu vas aller voir parce que t'as envie de te détendre ou ce genre de choses. C'est un vrai film qui amène à la réflexion, un film très très intéressant, c'est très très bien réalisé, super bien exécuté. Franchement, à la fin, un boulot monstre, ça s'est vu déjà sur le tournage, mais au montage, en fait, finalement, on voit que ça a porté ses fruits. Après, ce qu'il faut savoir, c'est le genre de film que tu aimes ou que tu détestes. C'est pas genre c'était moyen. Non, c'est pas le genre de film qui va susciter ce genre de réponse. Très heureux d'avoir fait, très fier d'avoir travaillé sur ce projet. Parce que quand je vois le résultat final, ça prouve vraiment qu'on peut encore faire du beau cinéma. Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose, c'est une question de sensibilité. Donc voilà. En tout cas, moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, qu'on fasse un point sur la fin du festival, et notamment les récompenses, en espérant qu'on va avoir quelque chose, parce que je pense que ce serait amplement mérité. Donc voilà, je te propose en attendant de t'abonner, si c'est pas déjà fait, partage cette vidéo déjà aussi, et puis on se retrouve très très vite sur la fin du festival de Berlin. Allez, à plus sur Premier Clap.